pèlerinage à travers les conférences Ramadan. En 2016, Arafat a tenu sa 25e conférence sous le thème Fatihatul Kitab et Suratul Asri. Bagnas en est le parrain. Pendant une heure d'horloge, Matarsek, le conférencier attitré d'Arafat, a tenu en haleine les membres de l'association, tous vêtus de percale blanc, et d'autres invités sur le sens de deux thèmes permettant aux musulmans de se ressourcer dans les valeurs de l'islam. Auparavant, Adia Diop a rafraîchi la mémoire des uns et des autres sur le statut et le règlement intérieur de Arafat, sa mission et les nombreuses réalisations à son actif. Elle a saisi l'occasion de confondre tout le monde dans un même hommage, particulièrement le président Macky Sall, qui accompagne personnellement Arafat ainsi que ses ministres. Les nombreux orateurs qui se sont succédés, notamment le représentant du chef de l'État, celui du commissariat au pèlerinage, les familles religieuses, ont tous magnifié la démarche d'Arafat d'aider les musulmans à accomplir le cinquième pilier de l'islam, mais aussi les couches vulnérables à subvenir à leurs besoins. La conférence a pris fin par le choix, par tirage au sort de 97 futurs pèlerins pour l'année 2016. 53-2-1-0, deuxième test. J'avais pensé à ça. 53-2-1-0, deuxième test. Créé depuis 25 ans, Arafat, dirigé par Adia Diop sans discontinue, avec la confiance de ses membres, et parmi les premières organisations socio-islamiques du pays pour l'entraide et la solidarité. Elle a à son